Si les films de Kiyoshi Kurosawa sont marqués par le sceau du fantastique, s'ils sont traversés par de nombreux fantômes, son cinéma est aussi hanté par des couples mélancoliques, comme en témoigne son dernier film, Le secret de la chambre noire. Plus qu'un grand cinéaste d'épouvante, Kurosawa ne serait-il pas finalement un remarquable rénovateur du mélodrame? Quand le quotidien des personnages de Kurosawa prend des airs surnaturels, c'est pour mieux parler d'amour déçu. L'époux décédé de Mizuki revient d'entre les morts pour se faire pardonner et l'aider à faire son deuil dans Vers l'autre rive. Dans Séance, Koji dort pendant qu'à ses côtés, Junko, sa femme médium, essaie de communiquer avec son époux trépassé. Tout à coup, Koji se réveille et exhale un nuage de buée. Une manifestation du mort? Non, plutôt une évaporation de l'amour qui lui reste pour sa femme. La mélancolie chez Kurosawa vient de ce constat. Quelque chose des rapports humains s'est volatilisé à l'insu même de ses protagonistes. Du couple ayant survécu à l'apocalypse et voguant vers un avenir incertain dans Cairo, à l'union tragique et illégitime de Shokuzai, et ce, jusqu'aux amants empêchés de Loft, Kurosawa filme l'impasse amoureuse, celle des hommes et des femmes pétris dans l'habitude si japonaise de faire du non-dit un art de vivre. Alors comment retrouver l'amour évanoui? Dans Le secret de la chambre noire, Stéphane, photographe obsédé par la mort de sa femme, veut la faire revivre avec de vieux daguerréotypes en faisant poser sa fille. Comme dans Shokuzai, c'est par le rituel que l'on recherche son double. Ont-ils seulement la moindre chance de retrouver l'être aimé? Jean, oui. Je suis bientôt prêt. Aujourd'hui, le temps de pause sera de 70 minutes. Comme Koichi dans Real, qui espère se relier avec le subconscient de sa petite amie dans le coma, Kurosawa essaie davantage de faire accepter à ses personnages leur mal de connexion affective. Ainsi, les couples sur le déclin de Kurosawa sont-ils finalement tout aussi évanescents que les premiers spectres de son cinéma, incapables de ne se relier ni entre eux, ni au monde. Et ils pleurent devant leur incapacité à renouer le fil de ces amours perdus qui ne sont plus qu'un lointain souvenir.